Salut! Savais-tu qu'en Chine, au lieu de dire poser un lapin, fangtoud disent poser un pigeon, fangtoud? Je m'explique. Même s'il s'avère qu'en Chine, les premières apparitions des pigeons dans la littérature faisaient allusion à leur goût très appétissant dans les ragoûts, il s'avère que le pigeon n'a pas très bonne réputation. Enfin, du moins, comparé au lapin qui, lui, est une bonne chose. D'ailleurs, l'année 2023, c'est l'année du lapin. L'histoire de poser des pigeons dans la culture chinoise remontait, selon mes sources, à la dynastie Song ou Songcha, une dynastie pendant laquelle les pigeons faisaient référence au crédit. Et au fil du temps, ces pigeons voyageurs qui étaient envoyés pour rembourser des dettes renvoyaient donc l'idée de rupture de contrat. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi des pigeons et pas un lapin. Une autre légende chinoise explique que la célèbre courtisane de la ville de Hangzhou avait vendu ce qu'elle pensait être un perroquet blanc, mais qui était en fait un pigeon de cette époque-là pour envoyer des poèmes. Et oui, vous savez très bien que les pigeons voyageurs étaient là pour transmettre des courriers. Et du coup, quand ces derniers ne se pointaient pas, on parlait de tromperie ou non-respect de ses promesses. D'où l'expression poser un lapin. Alors, si toi, tu sais pourquoi en France, d'ailleurs, on dit poser un lapin lorsqu'on n'honore pas un rendez-vous, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à partager cette vidéo. Et n'oublie pas, ce n'est pas très bien de poser des lapins à ses amis les plus chers. Je te dis à bientôt sur Maman Pilia. Ciao.